did my best to notice when the call came down the line. On recommence, ça va être très très disputé au départ et un énorme départ et il touche en front de Prost et il passe. Il va passer. Énorme attaque de Didier André sur Alain Prost, mais ce n'est pas la poésie qui domine. Ouais, je crois que la Toyota a un problème. Quelque chose. Ouais, la Toyota a un problème dans le contact avec la Kia, semble-t-il. On va regarder près, mais. Non, il repart bien. Il repart bien, je pense. Mais il revient. Il va revenir sur Didier André. Alors attention à l'explication, non, il revient pas là. Il revient pas, je pense qu'il a des bons et des mauvais passages et que le Toyota est un peu blessé. Hein. On dirait qu'il y a un problème avec le tireur à la droite. Yvan Muller, alors que derrière Didier André, toujours deuxième, Alain Prost toujours troisième. Alain Prost, qui, de toute façon, au point, n'a pas grand-chose à faire, dans la 14e, bien gagné en attaquant. Mais je crois qu'il prend tout. Sensationnel entre le pilote de la Kia et le pilote de la Kia qui s'est fait passer. Il est passé à la Prost. Il est repassé devant Didier André qui repasse devant lui. Il est repassé devant lui. Oulala. Et il y a Merafina qui sent le goût du champion du monde et qui va l'attaquer devant. Ça y est, c'est fait l'attaque Merafina. Également devant Didier André, terrible rencontre d'Alain Prost et Merafina qui évite au dernier moment un accrochage avec Prost. C'est démentiel. Ok, c'est magnifique. Je crois qu'on peut les applaudir, c'est super. Alain Prost qui est en danger maintenant avec l'attaque de Merafina, je ne sais pas pourquoi je le voyais en danger. Avec toujours Yvan Muller en tête, Alain Prost deuxième, Merafina troisième, mais Merafina je pense va pouvoir attaquer Alain Prost. En tout cas il essaye et il va encore essayer. Hein. Il a fait une petite erreur, Merafina il a perdu une longueur, il ne pourra pas l'attaquer dans ce tour, sans doute pas dans le virage du fond du circuit, parce qu'il était un petit peu loin. Elle me semble. Et Aurélien Martin toujours là. Aurélien Martin toujours derrière Joël Ster. C'est splendide. Dernier tour normalement de cette finale. Oui, voilà. Dernier tour. Voilà. Dernier tour. Muller en tête. Toujours deux. Prost. Toujours trois. Merafina a vu que c'était le dernier tour. Il va freiner encore plus tard.
Ces grands pilotes, attention, poste menacé de nouveau. Non, il va terminer. Victoire d'Yvan Muller. Avec le 360 à la fin, sans doute. Yvan Muller, deuxième à la poste. Troisième, il fait une meilleure finale. Attention pour la quatrième place. Bonjour, espérance. Didier André, devant Joël Ster, puis Aria Marti, qui tient bien son rang. Énorme victoire d'Yvan Muller, fantastique bagarre entre Alain Prost et on va dire tout le reste du peloton. Splendide finale à laquelle nous voulons assister, je crois que le public ne s'y trompe pas, puisqu'il ovationne nos pilotes. Elle est belle, celle-ci, elle est magnifique.